et le débat politique avec vous, Souhila Lachmi. Bonjour Souhila. Bonjour Nabila, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans Débat politique, votre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis de 13h à 14h. Nous allons aborder aujourd'hui la gestion territoriale avec un focus sur les régions frontalières avec tous les risques que cela implique en raison de la déstabilisation des pays du voisinage. Des questions d'actualité avec l'installation par le président de la République de la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya présidée par Dahou Ould Kablia, ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Comment assurer une gestion optimale des territoires? Révision de la répartition fiscale pour créer la richesse, l'attractivité des territoires. Comment garantir la protection des régions frontalières contre les menaces multiformes, sécuritaires, sanitaires et migratoires? Des questions qui seront débattues avec nos invités. Nous avons avec nous ici au niveau du plateau M. Majid Saada, directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. M. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques et sécuritaires. M. Mohamed Achir, docteur en sciences économiques et professeur à l'université de Tizi Ouzou, et également avec nous en ligne à partir de Tamanrasset, docteur Elias Akhamourk, infectiologue et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Tamanrasset. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, première question, un nouveau code communal et de wilaya s'avère une exigence. Il faut adapter ou adopter une gestion moderne des territoires avec des projections qui tiennent compte des paramètres démographiques, économiques et sociaux pour répondre aux besoins des populations. Je commence avec vous, Monsieur Majid Saada. Avant tout, c'est bonjour madame et merci pour l'invitation. Vous savez, la stratégie nationale d'aménagement territoire donne toute la latitude aux responsables locaux, en l'occurrence les PAPC et les WALI, pour être des managers du territoire. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, le territoire était géré d'une manière très administrative, alors que le schéma national d'aménagement territoire de 2010 donne des prérogatives pour que ces territoires soient attractifs. Et pour que les territoires soient attractifs, il faudrait que la mise en place de tous les instruments d'aménagement territoire, en l'occurrence le schéma national d'aménagement territoire qui définit la stratégie nationale d'aménagement territoire à l'horizon 2030, et chacune des wilayas a été dotée également de son plan d'aménagement territoire de wilaya. Le schéma national d'aménagement territoire s'articule autour de quatre lignes directrices que sont la durabilité de la ressource, l'attractivité des territoires, le rééquilibrage territorial et bien sûr l'équité territoriale. Vous savez, 64% de la population algérienne vit sur 4% du territoire, alors que le reste du territoire national n'est occupé que par 8% du territoire, je parle du sud. De ce fait, tous les instruments d'aménagement territoire font de l'option au plateau et le développement du sud un impératif du fait que cette littoralisation est freiné sur 4% du territoire, comme je l'ai dit, 64% de la population, alors que ces territoires, c'est les territoires qui occupent le plus des espaces agricoles. La problématique écologique se pose là. Alors, le devenir de l'Algérie, pour nous, c'est les hauts plateaux et le sud. Mais c'est une priorité au niveau de votre département ministériel, à savoir le sud et les hauts plateaux actuellement, au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Monsieur Saada. Oui, c'est une priorité et je dirais que c'est un impératif. Du fait qu'on a vu, monsieur le président de la République, avec les grands projets structurants de ces espaces, je citerai le phosphate Bled El Hadba, les grands périmètres irrigués du sud, le projet Baladna, le projet de Rajbilat, tous ces projets structurants feront de ces espaces des espaces attractifs et qui vont créer de la richesse et de l'emploi et qui vont drainer éventuellement des investissements étrangers et créer en premier lieu, fixer la population en place et bien sûr faire un appel de la population du nord vers ces hauts plateaux. Je citerai également toutes les infrastructures qui ont été mises au niveau de ces espaces, c'est-à-dire la ligne ferroviaire, le doublement de la RN1, les aéroports, les universités. Donc, il y a actuellement, on constate à la mise en œuvre de notre schéma
que éventuellement c'est des espaces qui vont devenir attractifs dans les prochaines années. Alors quand on parle d'attractivité de ces territoires, particulièrement ceux du sud et des hauts plateaux, est-ce qu'un nouveau découpage est en perspective en plus de celui qui a été déjà opéré par le passé, un passé récent? Éventuellement, quand vous avez un pays aussi important sur le plan superficie et avec un nombre de wilayas assez limité, normalement, comme l'a été annoncé par les autorités supérieures du pays, il y aurait un nouveau découpage, soit wilayal et éventuellement communal. Et bien sûr, je me tourne vers M. Hassan Qassimi pour poser cette question. Nous avons aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette question d'attractivité des territoires, nous avons bien sûr, on parle bien sûr de leur attractivité, comme vient l'indiquer à l'instant M. Majid Saada, qui est le directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Quand on parle de cette attractivité, c'est des aspects qu'il faut impérativement prendre en charge dans le cadre, bien sûr, de la commission qui a été installée, instituée mercredi dernier par le président de la République et présidé par M. Dahou Oultrabliya, l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Effectivement, vous avez raison. Les problématiques de fond sont liées principalement à ce que nos territoires deviennent attractifs d'un côté. D'un autre côté, pour qu'ils soient attractifs, nous devons mettre en place toute l'organisation et tous les éléments incitatifs pour qu'ils le soient. Maintenant, pour le directeur général de l'aménagement du territoire vient de faire un constat éloquent, à savoir déséquilibre en matière d'aménagement du territoire qui est très important. Et le gouvernement, le président de la République, est en train de mettre un certain nombre de mesures, de mécanismes pour essayer, dans ses politiques publiques, de réduire tous ces déséquilibres. Et là, pour revenir à cette commission qui a été installée, c'est une commission qui est importante, qui est présidée par M. Ould Qabliya. D'ailleurs, il n'est nul besoin de le présenter, connu, un homme des collectivités locales, et bien sûr avec un parterre d'élus, d'experts, de représentants de divers secteurs. Donc l'objectif, d'abord, le deuxième mandat du président de la République s'inscrit dans une cadence plus forte, plus accélérée pour la réalisation de ces objectifs, à savoir aller rapidement vers une réforme. Parce que le code communal et le code wilaya, ce n'est que un aspect de la réforme des collectivités locales, dans lequel il y a plusieurs segments, la réforme des finances locales, la gouvernance des collectivités locales, et bien sûr, vous devez savoir que l'objectif principal, c'est d'améliorer le confort du citoyen, c'est de maîtriser la gouvernance des territoires et de sécuriser nos frontières. Alors, bien sûr, quand on parle de sécurisation des frontières, c'est des aspects que nous allons aborder dans un tout petit moment. Mais quand on parle d'équilibre ou de déséquilibre au niveau des régions, Monsieur Mohamed Achir, est-ce qu'il faut parler des aspects financiers impérativement, puisqu'on a des statistiques, on est en train de les énumérer depuis quelques années déjà. On a l'équivalent de pratiquement 900 communes au niveau du territoire national qui souffrent un peu de pauvreté. Et c'est des chiffres qui ont été réitérés encore une fois récemment par le président de la République, M. Achir. Effectivement, il y a des déséquilibres en termes de développement des régions, de développement des territoires. Et d'ailleurs, l'un des objectifs que vient de citer M. le directeur de l'aménagement du territoire est le rééquilibrage, les objectifs du schéma national d'aménagement du territoire. Donc il y a un besoin justement de rééquilibrage, de niveau de développement des territoires, mais aussi d'affectation des ressources, quelles soient les ressources humaines, les ressources financières, et d'attractivité des territoires, parce que l'attractivité vient aussi après quand même une politique volontariste de l'État aussi, donc qui met les moyens pour rendre ces territoires attractifs. Donc il y a ce besoin, et d'ailleurs même dans le programme de M. le Président de la République, lors du premier mandat, on a constaté quand même une politique volontariste visant à rattraper un certain niveau de développement durant certaines zones qualifiées de zones d'ombre. Donc cela montre qu'il y a effectivement des déséquilibres en termes de développement. Donc il faut rattraper, il y a des programmes de rattrapage de développement, surtout dans les wilayas du sud du pays,
et pas que, hein. En tout cas, on peut retrouver des zones d'ombre même au niveau du wilaya du Nord, au niveau du wilaya du Centre, mais aussi structurellement, ce déséquilibre vient un peu de la répartition aussi de maillage des entreprises au niveau national, donc parce que il y a la question de la fiscalité, des ressources fiscales, donc la majorité des communes qui sont riches, donc on les retrouve soit la commune bien entendu de Hassim Saoud, mais aussi après, la majorité ou bien toutes les communes pratiquement sur le nord du pays, donc parce qu'il y a de l'activité économique. Et cette orientation de l'activité économique et cette attractivité qu'on retrouve dans certaines communes ou qu'on retrouve pas dans d'autres, donc justement crée ces déséquilibres structurels, c'est-à-dire il y a une accumulation après de déséquilibres. Donc on a toujours des territoires sans création de richesses, sans entreprises et sans équipements publics, et on a des territoires qui sont relativement bien dotés, que ce soit en infrastructure de base ou en entreprise. Donc voilà fondamentalement ce qui crée ce déséquilibre. Donc il faut y aller vers des territoires qui créent de la richesse, parce que même si demain l'État va mettre les moyens nécessaires à travers ses politiques publiques pour rééquilibrer ce développement. Mais si on ne pense pas dans l'attractivité, c'est-à-dire l'implantation des entreprises dans ces territoires pour créer de la richesse, créer de l'emploi et transformer ce territoire en territoire dynamique, donc on n'aura pas toujours des communes riches. Mais est-ce que cela relève exclusivement des aspects économiques ou alors des aspects de fiscalité par rapport à sa répartition, ou alors c'est lié aussi aux aspects de gouvernance locale, M. Achir? Je pense que les deux. Il y a la question de la gouvernance territoriale qui est posé, d'ailleurs je pense même l'aménagement de territoire, et là cet axe de gouvernance territoriale, parce que c'est très important d'y aller vers des aspects, une gestion économique de l'espace, ou bien une approche territorialisée, une gouvernance territoriale. La gouvernance territoriale qui a une mobilisation des ressources locales, des potentialités locales et des acteurs locaux. Donc on crée de la gouvernance locale. Et à partir de là, justement, on peut créer de la richesse. Et quand on crée de la richesse, donc il y a un cercle vertueux par rapport donc à la création de richesse des entreprises et les territoires et les communes. Donc maintenant la fiscalité, la question de la fiscalité effectivement, elle est structurelle, parce que il faut réformer le système fiscal et créer la fiscalité locale, parce que à ce jour on n'a pas de fiscalité locale réellement. On a de l'impôt versé que ce soit une partie ou totalement au budget communal, ou bien la recette communale. Mais on n'a pas proprement dit une politique fiscale locale. On n'a pas de fiscalité locale. Alors, mais faut-il aussi une approche moderne et futuriste, briser certaines barrières administratives, comme on est en train de l'envisager aujourd'hui, par exemple la suppression des DAIRA, la création à la place, bien sûr, d'un nombre plus important de wilaya. On parle de 100 wilaya à travers le territoire national, Monsieur Achir. Oui, justement, si dans le cadre de la réorganisation administrative et territoriale de l'État, et cet échelon... Et ça a été annoncé durant la campagne électorale par le président de la République. Tout à fait. Ça fait dans son programme. Tout à fait. En tout cas, cet échelon peut être dépassé aujourd'hui, parce que d'abord, il y a d'une part un travail de numérisation qui se fait, et d'autre part, comme vous dites, il y a la création de nouvelles wilayas. Donc des wilayas déléguées ou bien des wilayas complètes, carrément, donc avec un statut complet. Donc cela, et puis il y a aussi une nouvelle politique sur laquelle a insisté le président de la République, c'est la décentralisation. Et cette décentralisation implique de transférer les moyens, les ressources et les pouvoirs aux collectivités locales. C'est-à-dire, collectivités locales, je parle de l'Assemblée populaire de communale et de l'Assemblée populaire du wilaya. Donc il faudrait transférer ces pouvoirs vers la PUI et vers la PC. Et pourquoi cet échelon qui peut être peut-être coûteux, si, c'est-à-dire coûteux actuellement pour sa gestion, etc., pour son fonctionnement. Donc je pense avec la décentralisation, d'ailleurs il y a je pense actuellement plusieurs services administratifs qui sont décentralisés au niveau de la commune. Il ne relève plus de la DAIRA. Donc il y a un processus qui a été déjà entamé pour transférer un certain nombre de compétences vers les communes. Et demain, donc il faut penser davantage peut-être vers la création des échelons d'intercommunalités qui regroupent plusieurs communes, par exemple.
mais vous pensez davantage aussi à de prérogatives aux assemblées populaires du Wilaya. Donc voilà un peu le. Donc c'est toujours dans l'approche, je pense, c'est dans l'approche d'abord de la décentralisation, parce qu'après tout, dans la Constitution, on retrouve la commune comme la cellule de base de l'État et la Wilaya. Donc la Daïra, on ne la retrouve pas. Et de l'approche aussi de la démocratie participative, parce que l'approche de la démocratie participative qui est constitutionnalisée dans la Constitution 2020, donc on la retrouve où ? C'est dans la participation directe des acteurs et des citoyens au niveau de la commune. Donc voilà un peu. La déconcentration, il se fait actuellement, d'accord, à travers, mais je pense que la numérisation, elle va faire beaucoup plus que, c'est-à-dire, la création de structures éventuellement qui peuvent encombrer le fonctionnement. Alors, monsieur Medjid Saada, je me tourne vers vous pour cette question. Bien sûr, vous êtes le directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur des collectivités locales. Cette décentralisation, comment la mettre en œuvre concrètement sur le terrain, notamment pour les régions frontalières et les régions extrêmement éloignées, puisque nous avons vu actuellement avec certains phénomènes que nous sommes en train de vivre, comme par exemple la crise sanitaire au niveau de certaines localités du sud du pays par rapport à certaines pandémies réémergentes comme la diphtérie. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, la représentation des moyens de l'État s'avère, malgré tout ce qui a été déployé, insuffisant pour mettre en place des systèmes d'alerte rapide et efficace. Rapidement sur la question, monsieur Saada. Oui, si vous permettez, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit par monsieur Achir. Il a tout à fait raison par rapport à la gouvernance. Lors de l'élaboration du premier SNAT de 2010, qui était basé sur 4 lignes directrices, il y a eu la ligne directrice de gouvernance qui a été diffuse. Le SNAT de 2010 qui n'a jamais été mis en œuvre. Oui, je vais vous dire, pas vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été mises en place, mais le problème qui est lié à la mise en œuvre du SNAT, c'est un problème de gouvernance. De ce fait, dans l'actualisation du SNAT, on a rajouté une 5e ligne directrice dédiée à la gouvernance. Cette gouvernance se base essentiellement sur 2 aspects, la déconcentration et la décentralisation. La décentralisation, bien sûr, c'est un élément de base pour qu'il y ait, au niveau de ces espaces, tous les services, et au lieu de que la décision soit prise au niveau central, elle sera prise au niveau local. On revient sur les zones frontalières. Les zones frontalières, bien sûr, c'est une problématique d'aménagement territoire. Sur 6400 km, vous avez 7 pays limitrophes, 57 communes et 16 wilayas, mais c'est des espaces qui occupent 39% de la superficie nationale, mais qui renferment uniquement 3% de la population. Donc vous voyez un petit peu ce décalage entre la superficie et la densité de la population, bien qu'on a des zones frontalières telles que Marnia par exemple, qui abrite une population très importante d'une densité qui dépasse les 400 habitants au kilomètre carré, alors que Tazrouts à Tamanrasset n'occupe que 0,07% de la population de ces zones. De ce fait, le schéma national d'aménagement territoire a défini 9 zones frontalières pour lesquelles des études sont en train d'être élaborées, trois au nord, 3 sur le haut plateau, 2 sur le haut plateau et 4 au sud. Donc ces études avant tout se composent de 3 phases. La phase diagnostique et problématique de ces territoires frontaliers. Et bien sûr, on va proposer des plans programmes, ce qu'on appelle un plan programme de développement axé sur les spécificités de chacune de ces régions. Ces études sont en cours de finalisation et on va doter ces espaces de plans programmes. D'ailleurs, M. Achir avait parlé du programme des zones d'ombre de M. le Président de la République. Énormément de choses ont été faites au niveau de ces espaces qui concernent surtout l'amélioration des conditions sociales et de cadre de vie des populations. Maintenant, il faudrait aller vers la création de la richesse et la création de l'emploi, donc vers une dynamique économique de ces espaces. Et bien sûr, on est passé des zones d'ombre aux programmes spécifiques de Wilaya qui concernent bien sûr plusieurs localités aussi dépourvues. Alors pour parler de cette déconcentration et de la décentralisation, nous avons avec nous au bout du fil, bien sûr, docteur Elias Sakhamour, en direct à partir de Tamanrasset. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette question devient aujourd'hui primordiale pour la gestion de toutes les questions liées aux collectivités locales, notamment au niveau des régions frontalières? Docteur Elias Sakhamour. Bonjour déjà, merci de l'invitation. Avec cette crise sanitaire
que connaît le nord du Niger et le nord du Mali, et avec ses conséquences directes sur, sur les frontières algériennes, je pense que là, ça a été mis à nu le déséquilibre dans la gestion des territoires qu'on a hérité depuis des décennies et des décennies. Et l'une des preuves, c'est la désignation de trois personnes de Tamar Rasset pour adhérer la nouvelle commission pour mettre à jour la loi sur les territoires. Oui, c'est une occasion. Et les dernières visites, que ce soit du ministre de la Santé, que ce soit du président de l'Agence de sécurité sanitaire ou même de la directrice, de la présidente du Croissant Rouge, je pense qu'ils ont vu par leurs propres yeux combien il y a un déséquilibre dans les villes frontalières qui sont maintenant des wilayas à part entière. Donc il faudrait vraiment avancer rapidement dans la gestion de ce déséquilibre qui est très très important. Alors justement, quand vous parlez de ce déséquilibre, est-ce qu'on peut parler aussi des phénomènes nouveaux auxquels nous pourrons être confrontés, puisque nous avons vu et suivi aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui est à Aran, bien sûr, pour assister à la réunion du G7. Il a parlé de phénomènes de migration qui devient aujourd'hui une véritable menace à tout point de vue. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Oui, monsieur le ministre de l'Intérieur a très bien parlé de la menace, enfin, des menaces que constituent les migrations. Des menaces multiformes. Multiformes. L'Algérie a toujours été une terre d'accueil, et cela depuis des milliers d'années, sauf que ce phénomène-là s'est accéléré dans les 10 dernières années, parce qu'il y a des modifications climatiques, c'est ce qu'on appelle une migration climatique. Au-delà des migrations économiques qu'on a toujours connues, il y a la migration climatique, il y a la migration géopolitique. Actuellement, vu les perturbations que connaissent la région, et notamment le Niger et le Mali, nos voisins, ça s'est répercuté assez rapidement, et j'en ai parlé sur notre antenne, des menaces sanitaires qui arrivent. Malheureusement, c'est arrivé. Il faut rappeler que, juste pour le nord, pour le Mali, cette année, plus de 210 000 personnes ont été déplacées vers les pays voisins et donc notamment l'Algérie. Et vu que le Mali est un pays d'endémie pour le paludisme, il faut rappeler que le Mali a enregistré l'année dernière 3,3 millions de cas de paludisme. Donc en plus, si on ajoute les problèmes géopolitiques, automatiquement les répercussions, que ce soit sanitaires, économiques, sécuritaires ou environnementales, sont faits rapidement et malheureusement dans les années qui vont suivre, ce phénomène-là, il va encore être plus amplifié. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces phénomènes vont s'amplifier en raison aussi de la déstabilisation des pays du voisinage, docteur Ahamour? Alors, c'est vrai qu'il y a des mouvements migratoires qui sont liés plus à l'économie et qui sont tout le temps en continuité. Mais ce qu'on remarque, c'est que, et ça c'est l'histoire qui le raconte, hein, c'est à chaque fois qu'il y a des perturbations politiques dans les pays avoisinants, dans les mois qui suivent, il y a des répercussions sanitaires. Moi je parle essentiellement des répercussions sanitaires parce que je suis médecin. On a vu ça en 2012 avec la crise au Mali et on a enregistré... on était dans, pour le paludisme, on était dans une moyenne d'une centaine de cas, on est passé à 800 cas. On a vu ça en 2020 avec la reprise des problèmes et là on a enregistré 2300 cas qui paraît faible par rapport aux chiffres africains, mais en Algérie c'est un chiffre qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Donc ce phénomène-là, à chaque fois qu'il y a perturbation, il ne faut pas oublier qu'il y a un problème avec l'activité des organisations non gouvernementales qui aident beaucoup ces pays-là en matière de gestion sanitaire. Donc dès qu'il y a perturbation, dès qu'il y a conflit armé, automatiquement ces ONG ne travaillent plus. Ça se répercute sur la santé de leurs citoyens. Et puis il faut rappeler que dans le nord du Niger, le nord du Mali, il n'y a pas de centre sanitaire performant. Leur centre sanitaire le plus performant, le plus proche, c'est celui de Tamar Rasset. C'est pour ça que je peux vous dire que 40% de nos patients à Tamar Rasset, que ce soit pour des pathologies habituelles comme l'appendicite, la vésicule biliaire ou d'autres problèmes comme le paludisme ou le VIH-Sida,
40% sont des étrangers. Alors justement, partant de ce que vous déclarez à l'instant, docteur Elias Aramour, vous êtes sur place, vous êtes au niveau de Tamil Rasset, vous êtes bien sûr le chef de service d'infectiologie. Sur le plan sanitaire, faut-il mettre en place un dispositif particulier qui concerne bien sûr toute cette zone frontalière du sud ou de l'extrême sud du pays par rapport à ce que nous subissons actuellement, puisque vous dites que nous aurons affaire à voir bien sûr à l'avenir à d'autres phénomènes liés aussi à la migration des populations, comme par exemple la famine, la sécheresse, en plus des conflits et des guerres. Oui, absolument. On a tendance à oublier que l'Algérie est un pays africain et qu'il y a des frontières avec les pays du Sahel. Et la preuve, on parle des subsahariens, on les nomme des Africains. Et vu qu'il y a un déséquilibre sanitaire au sein même de l'Algérie, parce qu'on manque un peu de personnel, notamment les infectiologues dans l'extrême sud du pays, et c'est eux qui gèrent en priorité toutes les maladies tropicales, et c'est-à-dire les maladies tropicales qu'on connaît très peu en Algérie, malheureusement, parce qu'on n'en voit pas. La preuve, 85% des cas de paludisme enregistrés en Algérie sont enregistrés dans la wilaya de Tamil Rasset. On en voit très peu de cas dans les CHU du Nord, à Constantine, à Alger ou à Oran, par exemple. C'est pour ça que, vu les menaces sanitaires, parce que le paludisme, c'est une maladie qui sévit chaque année. La diphtérie, ça a commencé au Nigeria il y a 2 ans. Donc, c'était prévisible que ça arrive en Algérie. Mais il y a d'autres maladies comme le Mpox, la variole du singe, qui crée le buzz actuellement. Et on n'est pas à l'abri de cette maladie. Il y a des maladies comme la dengue, dont le Mali vit une épidémie depuis cette année. La dengue qui est, je rappelle, véhiculée par le moustique tigre, qui s'est déjà installé sur nos côtes. Donc, il est absolument primordial et urgent d'installer un centre de santé dans l'extrême sud algérien qui peut faire déjà pour améliorer la prise en charge des patients, faire un barrage à ce genre de maladie pour que ça n'arrive pas au nord du pays ou bien au moins les ralentir, et pourquoi pas faire de la recherche scientifique dans ce domaine-là. Alors, bien sûr, restez avec nous, docteur Elias Aramour, pour ce débat qui va se poursuivre encore. Est-ce qu'il faudrait associer des spécialistes, des chercheurs, des universitaires à cette réflexion qui est engagée actuellement, monsieur Majid Saada, puisque nous avons vu qu'il y a eu déjà le premier schéma national d'aménagement du territoire qui a été adopté en 2010, qui avait fait toute une réflexion sur la gestion particulière des zones frontalières. Rapidement sur la question, avant d'aborder les questions sécuritaire. Merci. Vous avez totalement raison, mais je vais vous dire que l'ensemble des instruments qu'on a élaborés depuis 2001 à ce jour ont associé l'ensemble des universitaires, des élus locaux, des centres de recherche. Donc il y a eu un ratissage, je dirais, assez large dans l'ensemble des instruments qu'on a élaborés. Et à chaque fois qu'on élabore, on organise des ateliers et des réunions à l'amont avant que l'instrument soit finalisé. Et même pour l'adoption du code de même commune et de wilaya, puisqu'une mouture a été remise à M. Dahou Ould Qabliya à l'issue de l'installation mercredi dernier. Absolument. Qui avait été déjà préparée par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur et qui avait associé aussi des élus locaux, des universitaires, des chercheurs, des élus nationaux. Donc il y avait quand même une large les panel. Partis politiques ? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas parce que je n'ai pas assisté à ce... Donc, par contre, les études d'aménagement du territoire, oui, les études, parce que les partis politiques sont représentés à partir des élus au niveau des APC, au niveau de l'APN. Donc, et là, je dirais que l'actualisation du SNAT qui est en cours, on a organisé 17 réunions et 12 ateliers thématiques où on avait associé l'ensemble des partenaires au niveau local et au niveau central. Alors, monsieur Hassan Qassimi, par rapport à la question justement de la gestion locale, vous êtes aussi un ancien du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Est-ce que ce code communal et de Wilaya s'avère aujourd'hui une exigence par rapport à cette gestion des territoires, par rapport à l'immensité du territoire algérien, par rapport aussi à la démographie galopante, puisque nous serons pratiquement en 2030 l'équivalent de 50 millions d'Algériens à travers tout le territoire national. Vous devez savoir qu'en matière de développement, les problématiques de fond sont des problématiques de gouvernance.
Donc elles sont très importantes. Je vous donnerai un exemple. Tout à l'heure, vous avez posé le problème du concept, d'ailleurs très très important, des communes pauvres et des communes riches. C'est un dossier qui a fait couler tant d'encre et sur lequel des spécialistes, beaucoup de spécialistes, ont émis des avis et parfois qui sont divergents. D'abord, sur le concept de communes pauvres et de communes riches, il n'y a pas de communes pauvres et de communes riches. Il y a des communes bien gouvernées et des communes qui sont très mal gouvernées. Pourquoi ? Pour la simple raison que toutes les communes ont des territoires qui sont riches, mais les opportunités d'exploitation de ces richesses ne sont pas mises en œuvre, malheureusement. Donc, toute la problématique est de mettre en place des instruments nouveaux de gouvernance pour pouvoir mettre en valeur ces territoires, pour qu'ils puissent devenir compétitifs, attractifs, et bien sûr, améliorer la plus-value des budgets de la collectivité. Donc, ce sont des problématiques de fond qui sont importantes et qui ont une relation avec la gouvernance. Mais bien sûr, pour cette révision du code communal et de Wilaya, il faut tenir compte de tous ces paramètres dont nous avons parlé au début de cette émission. La question de la décentralisation, la question du budget, la question de la fiscalité locale, aussi d'autres aspects qui se greffent aujourd'hui au contexte géopolitique actuel, comme par exemple l'insécurité ou nous avons vu au niveau du Proche et Moyen-Orient, même les territoires, c'est-à-dire la question des territoires et des frontières est remise en cause par l'entité sioniste. Vous savez que les enjeux en matière de sécurité sont très importants. Très importants, pourquoi ? Parce que l'un des objectifs les plus importants est d'affaiblir les territoires, d'affaiblir les institutions, de remettre en cause la résilience de la gouvernance pour prendre en charge tous ces défis. Donc actuellement, les défis qui se posent à l'Algérie, c'est de renforcer notre gouvernance et le président de la République a bien compris tous ces enjeux et il a mis en place un dossier d'ailleurs qui est faramineux, un dossier du siècle, un dossier qu'il faut absolument aller très vite pour le mettre en œuvre et le clôturer dans un premier temps, c'est celui de la numérisation. Pourquoi ? Pour la simple raison que la numérisation, c'est elle qui fait la force de l'État, c'est un outil de décision très fort, très important, et aussi c'est un outil qui permet de prendre en charge de manière rapide tous les défis qui se posent. Je vous pose le problème de l'épidémie que nous avons enregistrée dernièrement au niveau des localités frontalières, Ngezem, Tinzawatin, Temiaouine, Borjbeji Mokhtar. Et là, c'est grâce au dispositif de veille qui a été mis en place et qui existe, parce que l'Algérie, souvenez-vous, n'a pas été surprise par l'arrivée de telle maladie et d'une telle épidémie. Nous avons entendu le docteur spécialiste M. Ahamour parler de cela. L'Algérie s'était préparée, l'Algérie avait bien cerné toutes ces menaces et bien sûr, nous avons, l'Algérie a mobilisé beaucoup de moyens et vous avez vu une descente massive des autorités centrales du ministère de la Santé au niveau des localités frontalières. Nous avons également entendu le ministre de la Santé. Toute cette épidémie actuellement évolue vers une normalisation et une bonne prise en charge, mais cela est aléatoire. Pourquoi cela est aléatoire ? Pour la simple raison que les causes de cette épidémie sont toujours là. Il va falloir toujours garder en éveil tous nos dispositifs d'alerte et de surveillance. Mais est-ce qu'il faudrait un statut particulier pour ces localités particulièrement, Monsieur Kassimi, rapidement sur la question. Oui, bien sûr, les localités frontalières, vous devez savoir que c'est la gouvernance de territoire sans population. Les populations sont à la limite minime, mais il est beaucoup plus difficile de gouverner des territoires sans population que de gouverner des territoires avec des populations. Pourquoi ? Pour la simple raison que ces vastes territoires ne doivent pas devenir un peu le réceptacle de la criminalité transnationale, du banditisme, de la contrebande. Et c'est là où les enjeux sont très forts, très importants et qui nécessitent une mobilisation pour un peu prendre en charge tous ces défis. Et bien sûr, l'Algérie et le président de la République est en train de mettre en place, et je crois que ça va se faire rapidement parce que ça rentre dans les priorités urgentes de l'action du président de la République, c'est de mettre en œuvre rapidement ces nouvelles wilayas, particulièrement au niveau des wilayas frontalières. Mais quand vous parlez de banditisme et de crimes transfrontaliers, il faut prendre en considération tous ces aspects sécuritaires, puisque certains disent aujourd'hui parmi les analystes, et vous en avez été parmi ceux qui l'avaient déjà abordé en 2015, en 2014, hein, bien avant, que ce phénomène de migration qui afflue vers notre pays est parfois volontaire.
Oui, bien sûr, parfois, on nous a accusés de complotisme pour la simple raison qu'on avait parlé de ces menaces il y a de ça 6 ou 7 ans. Mais là, maintenant, sur le terrain, tout cela se confirme bien et nous voyons que, malheureusement, la migration est instrumentalisée. Il y a maintenant des milices qui recrutent des migrants et qui font partie de ces contingents qui déstabilisent des territoires, qui déstabilisent des États et qui portent atteinte à la sécurité des populations. Et ces enjeux sont très forts, très importants. Nous avons entendu notre ministre de l'Intérieur ces dernières 24 heures en Italie avec la réunion du groupe des 7 et qui a affiché la doctrine de l'Algérie, Il y a eu, l'Algérie mobilise beaucoup de moyens, et on ne le dit pas souvent et assez, pour la simple raison que l'Algérie mobilise des millions de dollars en matière de lutte contre l'immigration illégale. Et je vais vous dire une chose, que c'est le seul pays sur le pourtour méditerranéen qui ne bénéficie pas de l'aide internationale en matière de lutte, de l'aide européenne ou de l'aide internationale en matière de lutte contre l'immigration illégale. Maintenant, pour le deuxième aspect de la migration, c'est que les Européens n'ont pas une très très bonne appréciation et évaluation de la situation au niveau du Sahel. Au niveau du Sahel, vous avez, je vais vous donner des chiffres qui ont été annoncés par le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Vous avez l'équivalent de 30 millions de personnes dans le Sahel, au niveau du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en détresse alimentaire imminente. Et là, si la solidarité internationale ne se mobilise pas, nous allons au-devant d'une détresse humanitaire très forte et ça va bien sûr se répercuter par un mouvement massif d'une migration vers le nord de l'Afrique, l'Algérie et bien sûr vers l'Europe. Alors, bien sûr, est-ce qu'on peut considérer que cette déstabilisation au niveau de la région du Sahel est volontaire? Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre ce qui se produit du côté du Proche et Moyen-Orient avec notre région, c'est-à-dire la région subsaharienne, monsieur Hassan Qassimi? Vous savez que dans tous les phénomènes sur le plan international et régional que nous sommes en train d'enregistrer, il y a une forte interdépendance de ces mouvements qui sont en train de se développer tout autour de nous. Ce qui se passe en Asie, au sud-est de l'Asie, et particulièrement dans la mer de Chine, ce qui se passe actuellement en Europe orientale, et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, ce qui se passe dans le Sahel. Donc tout est interdépendant et nous sommes en face d'une redéfinition des zones d'influence par la violence. Et c'est un peu la naissance au forceps, soit d'un nouvel ordre mondial, politique, économique mondial, soit c'est revenir à un monde médiéval, brutal, féodal, avec une gouvernance occidentale qui va encore enfoncer le monde dans l'horreur et bien sûr dans l'instabilité. Alors, bien sûr, monsieur Mohamed Achir, je voudrais revenir avec vous sur une question par rapport à cette volonté de déstabilisation des pays, des États. Il y a aujourd'hui une menace sur les États-nations. Tout à fait. Cette balkanisation du monde vise à menacer les États-nations. C'est l'un des objectifs même de ces vagues de déstabilisation qui ont commencé, ça fait très longtemps, et entre guillemets, ce qu'on appelait le printemps arabe faisait partie, c'est-à-dire ces plans de déstabilisation. Il faut être vigilant, bien sûr, hein, c'est des plans d'abord de redéfinition des cartes géopolitiques mondiales, de redéfinition des grands équilibres, parce qu'il y a une concurrence actuellement entre le Sud global notamment et l'Occident qui est décadent en tout cas. Donc la déstabilisation concerne les pays faibles et les pays du Sahel notamment. Vous savez que les pays du Sahel ou bien la région sahélo-sahélienne est la région la plus pauvre du monde. Donc, et puis c'est en Afrique aussi, et pas seulement les pays du Sahel, mais l'Afrique est quand même caractérisée par une faiblesse institutionnelle
avérée, hein, en termes de, c'est-à-dire des États, hein, de construction des États. Donc les États-nations, bien entendu, qui sont jaloux par rapport à leur indépendance, par rapport à leur souveraineté, par rapport à leurs frontières aussi, et qui sont contre les ingérences étrangères. Donc, comme l'Algérie qui l'aurait affirmé à chaque fois. Donc font objet justement des tentatives de déstabilisation avec des instruments de guerre de nouvelle génération, dont la migration. Hein, la migration en fait partie, hein, de ces instruments de guerre de nouvelle génération. Il l'a bien indiqué, notre ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Oui, à partir du G7. Tout à fait, la drogue aussi, tout ce qui est les crimes transfrontaliers, les mercenaires. Aujourd'hui, il y a carrément une industrie de mercenariat qui s'installe dans le monde. On produit des mercenaires, on les vend. Hein. Donc carrément, et certains États même parlent maintenant de la privatisation de certaines branches militaires. Donc c'est une autre aussi vision de surtout des pays qui sont dans c'est-à-dire qui sont déjà redéployés dans pas mal de territoires dans le monde. C'est-à-dire ils ont besoin de créer des entreprises militaires privées pour les injecter dans ces territoires et pour réaliser des sales boulots. Donc, c'est-à-dire pas intervenir directement avec des armées régulières, mais avec des mercenaires, avec des entreprises militaires. Donc, voilà un peu les enjeux actuels. Hein, et les États, ils sont entre un certain, bien entendu, certains pays en Occident, surtout, mais même ailleurs. Donc, ils sont en train justement d'utiliser ces instruments de déstabilisation. Et ils visent justement... Parce qu'après tout, il y a des objectifs économiques aussi. Parce que les territoires qui sont... Pourquoi le Moyen-Orient aujourd'hui, il est à la croisée des chemins, hein? C'est parce qu'aussi, une région riche en ressources, mais aussi, c'est le centre, c'est le corridor du commerce international. Donc, les pays du Sahel également... regorge des ressources très importantes, l'uranium, le lithium, les ressources même énergétiques. Donc toute cette bande sahélo-sahélienne aussi représente un enjeu pour le redéploiement des équilibres de force mondiales, c'est-à-dire entre la concurrence des pays asiatiques du sud global notamment et l'Occident. Donc c'est des terrains de confrontation entre ces puissances. Et actuellement, justement, l'Algérie se situe géographiquement dans une zone hautement stratégique et avec 6000, je vois le chiffre, 6385 kilomètres de frontières. Donc la tâche n'est pas facile pour l'Algérie. Et c'est pour cette raison qu'elle doit construire justement le front intérieur. Le renforcer. Renforcer le front intérieur. Bien le sûr, président va initier le dialogue. Créer du développement dans les wilayas du sud et les zones frontalières, parce que le développement, c'est très important. Il faut peupler ces régions qui occupent, je pense, 3%, qu'il a dit tout à l'heure, c'est 3% de la population. Donc, il faut les peupler, il faut créer du développement, créer de la vie carrément, de la vie économique, de la vie sociale, culturelle dans ces régions-là. Et puis, bien entendu, on a l'ANP qui est à la hauteur de ces défis, qui fait toujours du bon boulot en matière de la préservation du territoire ou bien de la surveillance du territoire. Mais il faudrait davantage de moyens technologiques maintenant, de surveillance, surtout des frontières, que ce soit contre le crime transfrontalier. On a vu l'ANP, chaque semaine pratiquement, c'est des centaines des quintaux de drogue saisies aux frontières. Et donc les enjeux sont très importants et les défis sont très importants et l'État-nation effectivement menacé. Alors, Monsieur Medjid Saada, ces aspects-là, vous les prenez en considération aujourd'hui dans le cadre de l'aménagement du territoire, puisque vous l'avez indiqué, nous avons 4% de la population qui occupe... 70% de la population qui occupe 4% du territoire. Ouais. Ce n'est pas le cas pour le reste, qui est complètement, pratiquement, pas abandonné, mais en partie abandonné. Il faudrait le réoccuper, repeupler, fixer les populations au niveau de ces localités. Absolument. C'est devenu aujourd'hui aussi une question de sécurité nationale. Parce qu'on dit,
le territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu. Absolument. Donc, et d'autres viendront l'occuper à notre place, et c'est ce qui se produit actuellement. Effectivement, effectivement. Donc, comme vient d'être souligné par M. Achir, il y a un rôle très important que nous saluons des corps de sécurité pour sécuriser ces espaces, mais le meilleur moyen de sécuriser un espace, c'est de l'occuper et de créer de la richesse et de créer de l'emploi, et que ces espaces deviennent attractifs. C'est un petit peu notre dada quotidien par rapport à l'ensemble des études qu'on élabore sur le territoire national. Mais avec les menaces actuelles, c'est une préoccupation majeure. C'est très important parce que ces espaces regorgent bien sûr de richesses très importantes qui en matière sont touristique, minière, agricole. Il faudrait maintenant les mettre en exergue. Qui attisent les convoitises. Et qui attisent des convoitises des peut-être externes. Donc, non, pas peut-être, sûr. Voilà. Alors donc, il faudrait mettre les bases d'un fondement de développement de ces espaces à travers bien sûr l'occupation et de fixation de la population locale, et bien sûr faire je dirais un appel d'air de la population du Nord vers ces espaces. Moi je voudrais aussi parler de d'autres espaces qui ne manquent pas d'importance aussi, c'est les espaces de montagne. Les espaces de montagne, vous savez, 20% du territoire nord est occupé par des montagnes. Et ces montagnes aussi, c'est 686 communes situées en zone de montagne. Donc vous voyez un petit peu, et c'est des espaces qui perdent de leur population. On a défini dans le cadre de l'actualisation du SNAT que 70% de la population algérienne serait dans les villes, et que donc il y a un exode important de ces espaces qu'il faudrait aussi occuper, et c'est surtout que ces espaces aussi qui présentent des richesses et des potentialités naturelles extraordinaires. Alors docteur Elias Sahamour, moi je voudrais aborder avec vous la question de cette occupation de territoire. Aujourd'hui bien sûr nous avons vu que ces territoires ne sont pas suffisamment occupés. Est-ce qu'il faudrait une réorganisation nouvelle? Qu'est-ce que vous attendez bien sûr du futur code de Wilaya et des communes qui va être bien sûr élaboré par la commission instituée par le président de la République? Ce qu'on attend particulièrement, c'est de tenir compte des spécificités de la région. Il faut sortir du carcan le sud, le grand sud, non. Tamal Rasset, Tienzawatin, c'était la même wilaya, et pourtant beaucoup de différences en matière climatique, en matière territoriale, en matière de composantes humaines, en matière de géographie, en matière de richesses souterraines. Il faudrait faire un découpage et surtout des lois spécifiques pour chaque région selon leur spécificité, si je me répète. Ça c'est en premier. En deuxième, il faudrait vraiment investir à la grandeur des nouvelles wilayas, parce que le découpage administratif, il est là. Mais je vous donne un exemple, la wilaya de Ingzem, qui est d'une importance stratégique parce qu'elle enferme la ville de Ingzem à la frontière du Niger, la ville de Tienzawatin à la frontière du Mali. Et malheureusement, il y a une polyclinique à Ingzem et une polyclinique à Tienzawatin, et c'est tout. Donc on a un directeur central de la population, un DSP, un directeur de la santé de la population, qui est responsable de deux polycliniques, alors que le DSP d'Alger, il est responsable de CHU, de dizaines, si je, peut-être même de centaines de polycliniques. Donc il faudrait, pourquoi pas, avoir des lois qui sont adaptées aux régions selon leurs spécificités, et encourager évidemment la décentralisation au maximum. Oui, quand vous parlez de la décentralisation, il faut aussi appliquer certaines décisions qui ont été prises précédemment, puisque nous savons qu'en 2020, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour mettre en place, par exemple, au niveau des collectivités locales, des directions de santé et d'hygiène pour contrôler régulièrement, par exemple, l'environnement et prendre en considération certains aspects, bien sûr, sanitaires. Et ça n'a pas été le cas jusque-là. Monsieur docteur Achamour. Oui, oui, bien sûr, en Algérie, on sait qu'il y a un problème d'application des lois. Mais il faudrait aussi moderniser ces lois. Je vous donne un exemple concret en ce qui concerne l'entomologie. Alors l'entomologie, c'est la science des insectes. Tous les spécialistes se situent à l'Institut Pasteur d'Alger ou au niveau des grands CHU.
il n'y a pas de spécialiste au sud, au grand sud, alors que la menace en ce qui concerne ces insectes qui sont des vecteurs de plusieurs dizaines de maladies sont dans l'extrême sud. Donc, il ne faut pas mettre des écoles paramédicales comme on en fait partout en Algérie. Il faut mettre, par exemple, une école pour l'entomologie, un institut d'entomologie. Et cela, on tient compte des spécificités de la région. Il y a une autre chose aussi, parce qu'on a oublié de parler de menaces environnementales, notamment l'exploitation aurifère dans la wilaya de Taman Rasset. Moi, en tant que médecin, on reçoit de plus en plus de patients qui viennent de l'Afrique de l'Est, donc le Soudan, l'Éthiopie, Djibouti, qui sont experts dans l'exploitation aurifère, et donc ils sont ramenés par des bandes pour les utiliser pour explorer l'or, pardon, pour l'exploitation de l'or. Donc ils sont ramenés et ils utilisent des produits très toxiques, notamment le mercure, le cyanure, qui pollue la terre, qui pollue l'eau, la nappe phréatique. Donc, vous voyez que la migration, elle change et elle amène avec elle de nouvelles menaces. Donc, il faudrait adapter nos lois préexistantes déjà, il faudrait les appliquer et surtout les réadapter selon les spécificités des régions et surtout selon les mises à jour migratoires. Alors, docteur Arhamon, restez avec nous. Plus de prérogatives et plus aussi de développement pour ces localités rapidement. C'est la question d'un auditeur qui nous suit actuellement. Oui, il faudrait qu'il y ait une justice sociale entre les communes. Je suis d'accord que il n'y a pas de commune pauvre ou commune riche. C'est la gestion qui compte. Mais il faut allouer beaucoup plus de moyens parce que dans ces communes-là frontalières, on commence pratiquement de zéro. Je parle d'infrastructures, de budget, etc. Je vous donne un exemple. Le budget de l'hôpital de Taman Rasset est toujours annexé aux statistiques de la population de Taman Rasset. Sauf que ces statistiques-là ne sont pas totalement vraies parce qu'elles ne comptabilisent pas les migrants. Et les migrants, je peux vous dire que c'est la moitié de la population de Taman Rasset. Donc le budget de l'hôpital est déjà faux. Et en plus, vu que c'est un centre régional qui s'occupe des wilayas frontalières, mais aussi de personnes qui viennent d'au-delà des frontières, donc il faudrait adapter le budget de l'hôpital. Et c'est juste un exemple concret par toutes ces données régionales et ne pas se reposer entièrement sur des statistiques assez rigides. Alors, docteur Arhamour, très rapidement, sur la question aussi de l'auditeur, comment se présente aujourd'hui la situation par rapport à cette contamination du paludisme ou malaria en anglais? Alors, la situation, il y a une amélioration, il faut dire la vérité, parce que déjà, les visites de monsieur le ministre de la Santé, de monsieur le président de l'Agence de sécurité sanitaire, a ramené premièrement un soutien moral, mais aussi logistique, surtout après les ordres directs de monsieur le président de la République et l'envoi de médicaments, parce que c'est l'élément le plus important. Le paludisme au sud, on le connaît, on sait le traiter, il faut juste nous donner les médicaments, les moyens de diagnostic. Donc il y a une amélioration de la situation, mais tant que la situation est catastrophique au nord du Mali, et je rappelle une statistique assez effrayante, du 21 au 27 septembre, en une semaine au nord du Mali, ils ont enregistré 13 000 cas de paludisme. Donc ce rush, cette épidémie dans le sud algérien est tout à fait normal. C'est la conséquence de la situation sanitaire au nord du Mali. Donc il y a une amélioration, mais tant qu'il y a de nouveaux patients qui viennent chaque jour, il faut rester vigilant. Eh bien voilà, moi je voudrais revenir avec vous, monsieur Hassan Qassimi, rapidement sur la question. Est-ce que tous ces paramètres doivent être pris en charge à l'avenir par rapport à toutes ces questions que nous avons soulevées, notamment aussi les questions liées au phénomène de migration, les questions sécuritaires et le trafic transfrontalier, puisqu'on parle aussi du phénomène de la drogue. On veut émerger ou inonder notre pays par des drogues venant bien sûr de l'ouest du pays. Rapidement, monsieur Qassimi. Il faut savoir que l'Algérie est signataire de la Convention internationale de Palerme sur la criminalité transnationale, notamment ces deux protocoles additionnels, la traite des personnes et le trafic des migrants. Donc, ce qui fait que l'Algérie se prépare activement et de manière très forte
pour affronter un peu tous ces défis futurs qui vont s'opposer à l'Algérie de manière violente. D'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe tout autour des pays du Sahel, tout ce qui se passe en Méditerranée, parce que même en Méditerranée, il y a des enjeux très forts, très importants, où la sécurité doit être assurée sur tout le territoire maritime de l'Algérie. Donc, ce sont ces défis que nous devons prendre en charge rapidement. Et là, bien sûr, il faut se mobiliser, il faut travailler. Et surtout, je dois ajouter une chose, c'est la dernière visite qui a été faite par M. Shengriha en Italie, de vouloir inscrire l'Algérie dans un processus de diversification de nos partenariats sur le plan militaire et aussi renforcer notre processus en matière d'autonomie, de décision, en matière de production de l'armement militaire. Ça, c'est très important. L'Algérie est inscrite dans un partenariat très important et très fort. Alors, M. Medjid Saïda, ces aspects-là, il faut les prendre en considération aussi dans le cadre de l'aménagement du territoire. Très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Absolument. On va clôturer avec M. Achir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Kassemi. Moi, je reviendrai aussi sur la gestion différenciée des territoires, parce qu'on ne gère pas une commune du littoral comme on gère une commune de montagne, comme on gère une commune frontalière et commune du sud. Et pour une meilleure gouvernance, moi je dis qu'il faut mettre les institutions en place. Nous proposons dans le cadre de l'actualisation du Sénat le retour à la direction de l'aménagement du territoire de Wilaya, qui n'existe plus depuis quelques années. C'est la DPSB, donc elle s'occupe uniquement du budget. Donc ce qui se fait en matière d'aménagement du territoire, c'est intramuros au ministère de l'Intérieur, et que aussi faut mettre les institutions, on avait proposé aussi un observatoire national des territoires qui va analyser l'ensemble de la dynamique territoriale, que ce soit au niveau des frontalières, au niveau des montagnes, au niveau du littoral, avec bien sûr des indicateurs vérifiables et faire un peu des projets et de actualisation au niveau du gouvernement. Alors M. Mohamed Achir, est-ce qu'il faudrait envisager aussi peut-être la création de départements qui seraient en charge des collectivités locales, comme ce fut le cas par le passé, puisque M. Dahou Oultrablia, avant d'être ministre de l'Intérieur des collectivités locales, il était ministre délégué aux collectivités locales. Il y avait par le passé aussi secrétariat d'État aux collectivités locales. M. Achir, pour une gestion rationnelle qui prend en charge tous ces aspects que nous avons énumérés, tant sur le plan économique, politique, sécuritaire, que sur le plan social. Rapidement sur la question, puisque nous sommes dans une vision futuriste. Effectivement, je pense que du moment que maintenant l'État veut compter beaucoup sur la création de richesses au niveau des territoires, au niveau des communes. Ailleurs, on parle de ministère de l'Intérieur et des territoires. Tout à fait. Donc, il faudrait accorder une importance capitale. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, donc c'est un grand ministère, mais peut-être créer des ministères carrément pour prendre directement des questions des territoires, et de développement des territoires. Les hauts plateaux du Sud, les frontières. De façon justement à y aller vers cette vision de la gouvernance territoriale, y aller vers cette vision de gestion de l'espace, de gestion dynamique et économique, pas seulement gestion bureaucratique et administrative. Donc c'est un changement d'approche. La numérisation devrait tout faciliter. Tout à fait, qui nécessite effectivement... Plus de ruée vers les communes pour un certificat d'hébergement. Oui, la numérisation est indispensable. Surtout installer, Monsieur le directeur de l'aménagement de territoire, il parle justement de la nécessité de réhabiliter les directions de l'aménagement de territoire au niveau du Wilaya. Il ne doit pas s'occuper seulement des budgets, de suivi budgétaire, et parce que l'actualisation des données, des statistiques, mais aussi le suivi du plan d'aménagement de la Wilaya, le PAO, parce que toutes les Wilayas ont adopté leur PAO, mais ils ne sont pas réellement, c'est-à-dire respecter ces PAO. Donc il faut rendre, d'ailleurs c'est des lois, il faut les rendre obligatoires pour au moins préserver le développement territorial et créer surtout, ça c'est une proposition, un système d'information géographique dans chaque wilaya. Et bien sûr, c'est un sujet extrêmement attractif qui nécessiterait peut-être 2 heures, voire même 3 heures de débat. Messieurs Medjid Saïda, directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, merci d'avoir été avec nous. Monsieur Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques et sécuritaires. Monsieur Mohamed Achir, docteur en sciences économiques et professeur à l'université à Tizi Ouzou. Et également un franc remerciement à docteur Elias Sahamour, infectiologue et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Tamanra. C'est en direct avec nous à partir de cette wilaya. Mesdames, messieurs, merci. Au revoir. À bientôt. À samedi prochain.